Strasbourg et Metz, deux prétendants à la montée, ont livré ce soir un match plutôt engagé. Un derby viril entre des clubs alsaciens et lorrains qui rêvent de Ligue 1. Comme souvent, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Et en première mi-temps, il n'y a que Stéphane Cassard, le gardien strasbourgeois, qui ne s'est pas ennuyé. Intervention au pied ou couché. Ici, sur ce centre de Victor Mendy, Cassard épaulé à 5 minutes de la mi-temps par Grégory Pesley, l'un de ses défenseurs, coup de pied salvateur entre les jambes de Papy Cissé. Les Strasbourgeois ne vont se procurer leur première et seule occasion qu'à la 70e minute. Traoré, oublié par la défense messine, est à deux orteils d'ouvrir la marque. 0-0, match nul, rugueux, qui permet à Metz de rester provisoirement à la 3e place de Ligue 2 avec un point d'avance sur des Strasbourgeois 4e.